Non, il y a une deuxième cloche qui sonne 10h. C'est peut-être ça la bonne. Hein. Ah voilà, tu vois, il arrive. On l'avait déjà celui-là ? Hein ? Voilà mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Soyez donc les bienvenus à Turcam. Je vous chanterai maintenant la chanson du Vert de Nuit en dialecte alsacien. Horera vasi eier mensaya. Joketzene kschlaya. An zoret zum Firantlir. Das hat Gott und Maria Bier. Jetzt stand ihr auf der Wand. Gott gibt uns all ein Kühlgenau. Et bien sûr, vous avez tout compris. Et que cet arrêt-là n'est pas obligatoire, mais qui m'est fortement recommandé. Et je bois le petit verre à votre santé. Il n'a pas. Vous avez remarqué. Moi, je suis comme le curé. Le curé boit toujours tout seul. Je pense qu'on va commencer par les enfants qui le souhaitent. Alors, qui va tenir la lanterne ? Moi. Mais bien. Voilà. À côté de moi ? Voilà. Comme ça. Parfait. Horera vasir eier velsaya. Tiglo ketene kshlaya. Han soret zum firantlir. Das hat Gott und Maria Pirt. Jetzt schaunt ihr auf der Wand. Gott gibt uns all a Kühe den Merci. Et la traduction au prochain arrêt. Was ihr eher wählt, sah ja. Die Glocke zähne kschlaja. Hans soe zum Firantlir. Das hat Gott und Maria Vous dire. La cloche vient de sonner 10h. Prenez soin de l'âtre, la chandelle, que Dieu et la Vierge nous protègent. Me voici de garde, Dieu nous donne à tous une bonne nuit. Et on continue. Il y a peut-être un verre, mais ce soir c'est déjà le deuxième verre. Donc, je suis responsable de vous-même, et de moi-même surtout. Et je ne supporterai pas un deuxième verre. Alors je pense qu'il y a certainement un bénévole qui vous dit, ah voilà, il y a des bénévoles. Des bénévoles. Là. Oh là là, ils vont se battre là. Ils vont se battre. Hein. Alors, c'est le plus gentil. Salopette, gentil, salopette. Voilà, c'est sympa. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Non, mais j'ai des collègues qui supportent deux verres ou trois ou plus. Moi, personnellement,
je sais ce que je supporte. Et pour ne pas être malade, il vaut mieux être raisonnable. Et partager, bien sûr. Ah. Et partager. Pour ne pas chanter faux. Ou bien mieux. Ça, ne tremblez pas encore, c'est bon. Le deuxième, il sera pour. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire que ceux qui boivent maintenant vont chanter tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Skilt. Shanky. Shanky, oui, ça c'est chez les Chinois. Ouais, c'est chinois, voilà. Shanky, en Alsace, ça veut dire mets-moi une goutte. Oh. Alors on s'amuse. Shanky, c'est du chinois. Non, c'est de l'Alsacien. Shanky. Mets-moi un verre. Ouais. Ah, il y a une bonne descente là, le jeune homme là. Hey. Le monsieur aussi. Hein. Il ne boit pas beaucoup, mais très longtemps. Oh, hein? Allez, on va voir s'il chante tout à l'heure. Et c'est en 1953 que ça a été repris, du 1er mai jusqu'au 31 octobre, tous les soirs à 22h. Je vous rassure tout de suite qu'une seule ronde encore. Heureusement pour vous. Et le rôle des enseveilleurs était la surveillance de la ville, principalement pour l'incendie. Car à 22h, lors de la première ronde, c'était le couvre-feu. Donc tous les feux devaient être éteints. Qu'est-ce qu'il y avait l'incendie dans le temps? C'est non seulement une maison, mais souvent un pâté de maison, voire un village entier qui brûlait. Les maisons étaient en bois, étaient accolées, et le risque d'incendie est toujours présent. D'où la corde pour alerter le village lorsqu'il y avait l'incendie. Et lorsque le veilleur soufflait dans la corde, tout le village ne pouvait pas l'entendre. À chaque coin du village, il y a une tour qui était habitée par un gardien. Il y avait au minimum un des trois gardiens qui entendaient la corne et activaient le clocheton pour réveiller les gens. Et les gens accouraient le saut pour éteindre l'incendie. Qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est un gilet jaune. C'est le dernier qu'on a retrouvé, le gilet jaune. C'est Maurice, Momo. Il est là tous les soirs et qui veille la sécurité à ce que les voitures ne dérangent pas. Donc il est là tous les soirs de 21h40, 45. Il rentre donc officiellement après la ronde. Donc il est là tous les soirs, toute l'année, du 1er mai au 31 octobre. Il mérite un applaudissement. Voilà. Voici un bel saillant. L'enquête est fixe saillant. Allez, saurait son puirandir. En sens contenant y'a pire, qu'est-ce qu'on dit au talent, quand qu'il tente à l'a, qu'il a l'a. Le costume que je porte est identique à celui des anciens. La halbarde leur servait dans le temps pour se défendre. C'était principalement une arme qui se faisait. La corne pour donner l'alerte lorsqu'il y avait l'incendie. Et l'origine du tricorne sont les trois portes de Tricorne. Et les personnes qui souhaitent une carte postale avec la chanson et la traduction peuvent m'accompagner au bord des. La ronde est terminée, il y avait 16 arrêts
nous avons effectué environ 1,5 km. L'idéal pour bien digérer. C'est bien connu qu'en Alsace, on mange très peu et très mal. C'est bien connu. Je vous remercie de m'avoir accompagné, mais surtout de m'avoir bien gardé.